J'avais un collègue qui était arrivé, donc c'était bien. On a eu des soucis avec les fournisseurs, avec les banques. C'était un moyen de refaire une virginité auprès des banques. C'était un truc de pirate. Oh, dis donc, quand ils sont sur le lit, ils sont un peu immobiles. On dirait plus un hôpital là. Hein. Mais c'est des mobiles. Quand ils sont allongés, ça les arrange pas, les pauvres. C'est des filles mobiles. Personne aime s'entendre parler. J'ai trop le seum. Mais bravo la gestuelle avec la main, tu vois, ça c'est important. La gestuelle avec la main. Ouais, quand tu dis ça, le fait qu'on voit ta main dans le champ. Bah c'est bien parce que je prends mon pied d'appareil photo, sinon ça aurait trop bien. Bon, j'en regarderai la suite chez moi. Mais cool. Attends, j'aurais bien voir tes booktubes aussi. Non, je te jure. Non, mais tu t'as dit que tu pouvais regarder chez toi. Ouais. Mais, ils sont où tes booktubes? Bye bye. Et nous, avec Arnaud, là, on a profité de tous ces petits restos. C'est fabuleux, tout ça. Ça aussi, c'est un truc... Des bons moments, quand même. Ouais, non, mais c'est-à-dire toute cette organisation de qui et comment on travaille. Sinon, le travail est individuel. C'est-à-dire, c'est un travail de fourgonnette, c'est un travail d'équipement, c'est un travail de rénovation, c'est tous ces artisans. Et il y a un tissu, là, avec lequel je pense que, culturellement, on a complètement perdu contact. Et dans ces tout petits restos là qu'on a explorés un par un, c'est pas cher, c'est 12 balles, buffet à volonté, enfin quand je vois ce que mangent les mecs. mais c'est pas de la plaisanterie, c'est comment s'inventent d'autres lieux de socialité. Par exemple, le samedi, ils sont tous fermés. Ça marche que dans la semaine. Mais là où tout d'un coup, on se retrouve, ouais, mais avec toute une frange de gens avec qui le rapport, sinon, ne passe plus par la culture. Alors évidemment, quand on voit des bibliothèques, ce réseau de micro-proximité, ce réseau avec les bénévoles qui refabriquent ce lien, mais peut-être que là aussi, ce serait intéressant de voir est-ce que ça passe par les hommes, ou plutôt par les enfants, par l'accueil des classes, tout. Mais en tout cas, les gens qu'on voyait dans nos petits bistrots du midi,
c'était pas du tout les gens qu'on voyait dans les bibliothèques. Donc tout ça, ça fait énormément gamberger. Pour finir sur Grac, oui, donc la presqu'île, il va bouffer dans un de ses restos. Après, il va voir un endroit où il allait enfant, juste pour savoir s'il pouvait ramener son amoureuse voir cet endroit-là. Il va réserver la piole d'hôtel, puis à 5 heures, il revient à la gare. Donc comme tram romanesque, vous voyez que c'est... c'est pas Stephen King, quoi. Mais quand vous lisez ça, à chaque fois, vous êtes complètement pris, quoi, et par cette... cette présence des choses, c'est là où ça peut pour moi revenir à la question d'Arnaud, c'est-à-dire on sait que littérairement c'est une tradition, c'est quelque chose qui pour nous est fabuleux, mais à un moment donné cette présence, même Grac pratiquait la photo, c'est-à-dire que les outils dont on dispose aujourd'hui, s'ils nous rapprochent encore plus du réel, c'est-à-dire par exemple quand on travaille avec les étudiants en archi, leur carnet de notes c'est les photos prises, c'est ce qu'ils ont dans l'iPhone, et on peut s'en ressaisir pour le texte. À quel moment cette relation-là nous permet de quitter le rôle qui pour moi, de toute façon, n'est pas acceptable, dire je viens et je raconte ce que je vois. De toute façon, je verrai toujours ma position en tant que touriste.